Salut, salut à tous, bienvenue pour le Austin 165, la course, première course routière de la saison en NASCARJOLY.com, IFRN Cup Series. Nous voilà donc à Austin, sur the Circuits of Americas, 30 tours, 35 pilotes, et je vais vous donner la grille. Tout de suite, on retrouve donc en première ligne Frédéric Trintz qui a fait la pole, devant Mathis Hébert, Cyril Nussbaum, Maxime Herbert, Julien Schaub et Philippe Rimbaud. On va voir, première Ignite a été un peu mouvementé au premier virage, l'accès a été un peu plus sage. On va voir où ça se situe et on voit déjà en fond, avant même le départ, une première voiture en tête à queue, ce qui crée un énorme trou en milieu de peloton. Et au niveau des leaders, ben voilà, on a le deuxième, Mathis Hébert, qui espérait faire le doublé Access Cup et qui part à la faute, virage... Premier virage complètement manqué, premier freinage complètement manqué. Il est obligé de partir très large, il perd beaucoup de positions et il va perdre un petit peu plus dans la bataille de ce premier tour, on va le voir. Donc Cyril Nussbaum qui se retrouve en tête puisque le coureur de France a aussi eu un petit peu de mal à prendre ce premier virage. On revoit ce premier virage. Frédéric Trintz qui freine, mais qui est un petit peu large déjà lui-même. On voit Mathis Hébert qui nous passe complètement en dehors de l'écran. Et donc voilà les pilotes de tête, Nussbaum, Trintz, Herbert. Et donc le deuxième problème pour Mathis Hébert, c'est Mickaël Cadeau qui part à la faute et derrière pour Jérôme Durand. Et donc Mathis Hébert, c'est le contact, le gros contact, la perdu par choc avant, une voiture bien abîmée. Et toujours ce tour 1 très très animé, on voit Bruno Ledoaré qui se loupe complètement au virage 12. Très difficile à juger, notamment lors d'un premier tour, ce freinage. Et là, ça a été beaucoup trop tardif, on le voit. Et c'est un petit contact pour Maxime Herbert, ça aurait pu être vraiment plus grave que ça pour lui. Et là on voit ça plonge beaucoup des tentatives, là c'est Benoît Holzer, Mathieu Leslie qui part en tête à queue avec Antoine Marc, là ça a été un petit peu chaotique ce premier tour et il y a plusieurs endroits, pas seulement au premier virage. Et on le voit encore Jérôme Durand qui repart à la faute, virage 13-14, on voit la fusée Le Doaré qui est passée sous le nez de Maxime Herbert qui a dû faire une petite trace, hein. Pas de freinage mais un autre genre de trace. Et là, toujours dans ce premier tour, on n'a pas encore fini avec le premier tour, c'est David Rimardias qui part à la faute tête à queue et qui décide d'en rester là. On va le voir disparaître dans quelques secondes. Voilà, course terminée pour lui. On arrive enfin au deuxième tour. Cette fois, c'est le leader, Cyril Nussbaum, qui se rate un petit peu au freinage du virage 12. Trop large, il va chercher à l'extérieur. Ressort de la piste et du coup, Frédéric Trintz prend la tête. Et derrière, on se retrouve en paquet dans un endroit toujours difficile à négocier tout seul. Alors, en paquet, c'est encore pire. Donc les leaders à l'entame de ce troisième tour, Frédéric Trintz, Cyril Nussbaum, Maxime Herbert, Guillaume Pelletier et Julien Schaub derrière. Quatrième tour, on est avec Nosto Colno. Et on voit les tours minutes qui ont du mal à descendre. Mais finalement, le freinage est parfaitement réussi pour valider le dépassement. Et puis un autre.
dans la foulée sur Cédric Lecomte. C'est à son tour, c'est lui un petit peu loupé. Deux places de gagné en deux virages. Et on se retrouve avec Frédéric Train sous la pression de Maxime Herbert pour la première place, pour la tête de la course. Au freinage du virage 11, la première épingle avant, la longue ligne droite. Cyril Nussbaum qui était là tout près mais qui s'est un peu loupé. Et donc on est côte à côte pour les deux leaders tout au long de cette immense ligne droite de plus d'un kilomètre. Au freinage, vraiment côte à côte, hein, personne qui prend l'avantage. Le pilote à l'extérieur qui résiste, qui profite d'avoir un petit peu plus de vitesse, de pouvoir accélérer un petit peu plus fort. Et voilà, c'est à toi, à moi, vraiment. Et là, au final, c'est Maxime Herbert qui ressort en tête de ce virage 16. Tour 7, premier virage, Seb Talagrand qui fait l'intérieur à Benoît Holzer. On se bat pour une des places de 14e, 15e. Un petit peu plus loin dans le classement, c'est Jean-Philippe Chrétien qui se bat avec... Arnaud Gorge, Julien Lavoine, Joël Guèze. On a un petit groupe. Jean-Baptiste Charles derrière aussi. La bataille Kindig-Ciappara. On voit là un premier contact entre les deux. Michael Cadeau qui essaye d'en profiter. Là, c'est pour des places dans le top 10. Et puis à nouveau, Kindig-Ciappara. Cette fois, on est au premier virage. Et ça part en tête à queue pour Matt Kindig. Alors que Nicolas Ciappara prend la 9e place. Des actions qui seront sans doute étudiées par les commissaires. Et là, c'est Julien Lavoine qui part en tête à queue. Un petit peu aidé, on dirait, par la voiture derrière lui. On est au tour 11 et au virage 12. Un des endroits où on a vu le plus de pilotes se louper. Et voilà encore un, Jean-Philippe Chrétien qui essaie de faire les freins à Jean-Baptiste Charles. Et ça loupe et du coup, on perd une place au lieu d'en gagner une. Où est-ce qu'on la préserve? En tout cas, on se met en difficulté par rapport à ce qu'on pensait faire. Bruno Le Doiré qui fait l'intérieur à la Philippe Rimbaud. Virage 11. Il faut vraiment travailler sa sortie pour ne pas se faire reprendre tout de suite. David Paul qui se manque, tour 12 toujours, David Paul qui se manque à ce virage 12, qui perd de place. Et là on se bat pour la deuxième place, entre Cyril Nussbaum et Frédéric Trins. On voit vraiment Cyril Nussbaum qui retarde et appuie les freinages autant que possible. Il y a un petit peu de fumée qui s'échappe quasiment à chaque virage. Et on voit derrière Guillaume Pelletier et Julien Chaube. On
on approche de la mi-course et là c'est un bon contact entre Antoine Marc et Nicolas Dubéarn. Pas de dégâts, personne n'est parti en tête à queue, donc continue, tout va bien. Petite frayeur on imagine quand même sur le moment. Il y a tout à coup la disparition et la réapparition pour Cédric Lecomte. Petit problème de connexion probablement. Un des moments un petit peu controversés maintenant, on va voir, entre Mathieu Leslie et Jean-Baptiste Charles. On se bagarre bien dans tout au long de ce long double, voire même triple droite. Part bien l'extérieur pour Jean-Baptiste Charles. Mathieu Leslie qui fait, essaie de faire les freins, on se bouscule un peu. Et Jean-Baptiste Charles qui reprend les gaz, qui s'écarte et voilà, un gros contact portière contre portière. Vraiment à étudier pour savoir tout ce qui s'est passé de la part des commissaires. On se battait seulement pour la 28e place. Nicolas Vallée et ses difficultés en road et les difficultés de naviguer quand on se fait prendre des tours pas forcément plus simples que sur Oval. Quelle vitesse aller, où se placer, comment, toujours compliqué. Bataille Matt Kinney, Jérôme Durand, Matt Kinney qui n'a pas réussi à valider le dépassement un petit peu trop loin dans ce freinage. Et Jérôme Durand qui a pu reprendre sa place. Bon, au niveau des leaders, on a quelques écarts qui sont faits avec Maxime Herbert en tête, Cyril Nussbaum, Frédéric Prince. Cela se tient en 3-4 secondes et derrière, il y a un petit trou derrière. Quel cadeau qui tente, plonge pour le virage d'eau pour la 7ème place sur Philippe Rimbaud qui se met un petit peu en difficulté mais qui reste devant. Mathis Hébert, malgré toutes ses mésaventures, qui se bat pour essayer de remonter dans le top 10. Et en tête, alors que les pneus s'usent de plus en plus, Cyril Nussbaum use de plus en plus ses adversaires. Lui, il revient sur Maxime Herbert. Et plutôt que de rester collé derrière, il va décider de plonger dans les stands. Tenter peut-être un petit undercut. Tour 22, Thomas Darès qui veut rentrer au stand. Et puis, non, le freinage n'est pas assez appuyé. Plutôt que d'aller se manger la barrière entre les deux, qui fait souvent bien exploser le moteur, il a préféré repartir pour un tour, quitte à perdre quelques secondes. Et là, on voit le changement de leader, sorti des stands pour Maxime Herbert et Cyril Nussbaum. Et lui, déjà passé, Frédéric Prince, qui avait suivi la stratégie de Herbert et qui se retrouve lui aussi derrière. Donc le nouvel ordre du podium, c'est Nussbaum, Herbert, Prince, alors qu'il reste 7 tours à couvrir. Tour 24, après avoir loupé les stands un peu plus tôt, il a finalement réussi à rentrer à mettre ses pneus neufs, mais reprise d'accélération fatale, il part en tête à queue, une place de perdu pour Thomas Darès. Petite erreur de Guillaume Pelletier là, qui ouvre la porte à Bruno Ledoaré pour prendre la 4ème place au pied du podium. C'est Matt Kindig qui se rate au premier freinage et qui laisse passer une voiture, une place de perdu.
Dans le dernier tour, ça se bataille bien pour la deuxième place entre Frédéric Prince et Maxime Herbert. Cyril Nussbaum s'est envolé, lui, sur cette fin de course. Et on voit avec Bruno Le Doharé qui est pas très loin, qui espère peut-être un petit problème entre les deux. Et au final, donc derrière Cyril Nussbaum qui s'impose assez largement. C'est la baston jusqu'au bout entre les deux. Et après une sortie de dernier virage raté pour Frédéric Prince, c'est Maxime Herbert qui arrache finalement la deuxième place. Bruno Le Doharé qui prend la quatrième place et Guillaume Pelletier la cinquième. Et donc oui, lui, encore lui, toujours lui, Cyril Nussbaum qui s'impose. 102e victoire en IFRN, 83e en Cup. Et donc cela veut dire aussi pas de nouveau qualifié officiel pour les playoffs. Le top 10 est complété par Julien Chaud, Mickaël Cadeau, Mathis Hébert, Philippe Rimbaud et Nicolas Ciappara. Alors qu'au championnat, toujours nos trois qualifiés vainqueurs cette saison. Thomas Daris est le premier pilote qualifié pour l'instant au point. Et Nicolas Duberne, le dernier, avec 123 points. Voilà, la semaine prochaine, on se retrouvera à Richmond. Changement de décor complet comme pour toutes les autres séries. Cette fois, il y aura des jaunes, je vous le promets.